environ 150 à 200 femmes et garçons représentant secteur business là, te chita réfléchi ensemble journée vendredi à dans hôtel El Rancho Pétionville sous problème qui gagne dans relation commerciale entre Haïti et République Dominicaine. C'est forum économique secteur privé a qui te prend initiative ça, qui te bail premier ministre Laurent Lamotte occasion pour te faire une intervention pendant matinée. Problème contrebande ak stricti contrôle sous frontière qui faible, la cause l'état haïtien perdit chaque année 250 millions de dollars vert selon chiffre qui disponible. Secteur privé a lui-même tout, soti victime à cause produit dominicain yo entré sans payer frais douane dans pays ya, d'après coordonnateur forum économique secteur privé a Stéphane Kols, qui t'a parlé dans micro Ori Glalan avec Jean-Joseph Nono. En 2012, République dominicaine vend en Haïti plus que 1 milliard 500 millions de dollars de marchandises. Dans même année ça, Haïti par vend plus que 50 millions de dollars. Donc ça veut dire que Dominicani vend sous chaque dollar vend Saint-Domingue vend 30 dollars. Son écart incroyable. Kounye la, l'on regarde quantité de taxes l'État ici était supposé toucher sous exportation dominicaine, l'État haïtien était supposé toucher à peu près 315 millions de dollars. En réalité, l'État haïtien pas touché plus que 60 millions de dollars. Donc ça, ça veut dire contrebande coûte l'État haïtien presque 250 millions de dollars chaque année. C'est un pile cob. L'État haïtien est capable en pile famille haïtienne santé, éducation, route, en pile travail tout. Et l'État haïtien t'a capable faire en pile bagaille pour renforcer institution palio tout avec comme ça. Et c'est ça gouvernement Ateli Lamotte là, ouais, qui fait que jodi a il a essayé engager un processus pour résoudre problème frontière ça.